9h27, en route pour la Corab. On suit Pascal, tranquille. Allez, on va aller blanchir de l'ail. Donc là, en fait, il s'agit de d'enlever. C'est de donner en fait une présentation, enfin un aspect un peu plus présentable. Quoi. Donc là, effectivement, on pourrait encore aller un peu plus loin pour enlever encore des pots. Mais après, si on va trop loin, il ne faut pas aller trop loin parce qu'après, on désanime complètement. Là, après, ça pose un problème de conservation. C'est pareil au niveau des racines, il ne faut pas couper non plus trop parce que si on a le plateau racinaire, là, ça va pas s'en faire. Et déjà, même dedans, il y en a déjà, on voit. Qui sont un peu mous ou autres, ça, il faut les mettre de côté. Voilà, en tout cas. Voilà, sachant qu'il nous en reste encore, je ne sais pas, 4 tonnes à peu près. Cacao, producto de bandera de la región San Martín. Par rapport à la biodynamique, tu as quoi, t'as maintenant, tu essaies de fonctionner en réseau, on essaie de, il existe des organismes. Le 24 là, je crois que c'est un truc important qui vient chez moi. On va faire de la préparation de boules de corne et tout ça. Le 24 septembre. Mais il y a un mec qui vient de biodynamie, mais un calé apparemment. Et donc il vient. Mais la biodynamie, je vais peut-être m'écarter plutôt sur Vital Cell. Ouais, j'ai fait un pote là. Une calça, c'est quoi? C'est une technique. C'est fermentation de plantes en petit peu. Alors, pour emmener de l'azote sur les champs, je fais fermenter le même système avec de la luzerne légumineuse. Ouais. Voilà. Alors, j'ai fait des algues. Les algues, ça pourrait être flagrant. Les algues de chez nous, tu vois. Ouais. Non, c'est pas. Ouais, c'est un coin où il y a pas mal. Voilà, et ça n'a pas trop marché. Mais le reste, c'est pas systématique. Mais c'est avec le temps et ça va dans le bon sens.